J'ai capté Semtime donc pour faire une vidéo sur YouTube. Après oui, j'étais en sous-vêtements avec lui dans un lit. L'équipe, je suis choqué. La vérité là, je suis choqué. Frère, vous avez pas de cas dans votre lit, vous faites quoi en vrai? Sem, qu'est-ce que t'es en train de me faire? Sexy. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. L'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actuelle. On va reparler de podcast et puis du youtubeur Semsem. Ah ouais, là, il y a Semsem justement qui vient de publier une vidéo avec Podska à l'hôtel. Ce cas-là, tu te dis tout va bien. Pourquoi, Fico, tu commences à tourner une vidéo par rapport à ça? Ah, le truc, c'est que Semsem, justement, il fait des vidéos de 10 heures sur YouTube. Et il est suivi justement par plusieurs jeunes sur sa chaîne YouTube. En gros, la vidéo qu'il a publiée avec Podska, c'est pas une simple vidéo où il est avec Podka posé comme ça, tu vois, c'est une vidéo où justement Podka est en string et lui il est juste derrière en train de se filmer. Bref, écoute, j'avais plus d'air, je peux pas te passer justement des passages de elle en string sur YouTube, tu te doutes bien, parce que sinon je vais me faire sauter. Si jamais ça t'intéresse, tu viens sur Instagram, c'est là où tout se trouve. Frère, vous avez Podka dans votre lit, vous faites quoi en vrai? Sérieux? Dites-le moi, c'est important. Voilà, je regardais donc. Je suis pas le ska la plus belle, la plus sexy. Wesh. Prenez la poêle chez moi. C'est un youtubeur, en fait, il regarde des vidéos de 10 heures, pendant 10 heures et tout. Et là, il va regarder mes photos OnlyFans pendant 10 heures. Donc voilà, c'est trop bien, je vais dans la vidéo aussi. Et tu resteras toujours une pute. Ah là là, et j'arrive pas à comprendre comment le youtubeur Semsem il est tombé si bas à faire une vidéo avec Podka. Ah ouais, faut dire ce qui est, Semsem il arrive à faire ses vues en faisant des vidéos de 10 heures. Je comprends pas pourquoi il est venu ternir son image justement en faisant une vidéo avec Podska. Tiens, vu qu'on parle de Podska, je tenais à vous parler d'une vidéo qu'elle a publiée sur un de ses réseaux. Je vous dirai pas lequel pour pas lui faire de la pub, mais je voulais en parler. En gros, elle a fait une vidéo, elle est en train de twerker dans le château de Versailles. Bon, c'était pas vraiment un twerk, c'était plus son dos qui twerkait que son cul. Ouais, je fais juste une petite pause. Tu vois, Polska, quand tu fais des vidéos montées comme ça, essaye de mettre de l'eau au moins dans le verre quand tu fais semblant de le boire. Voilà l'équipe, elle s'est déjà fait sauter son compte Instagram, mais j'ai l'impression que ça lui a pas suffi. Merci de vidéo, c'est pour Twitter, parce que à chaque fois que on me voit avec une personne publique, on dit que j'ai ken avec. Mais non, genre je n'ai pas qu'une avec, allô la lune. Genre en fait, vous connaissez le professionnel. Genre j'ai capté Semtime donc pour faire une vidéo sur YouTube. Alors après oui, j'étais en sous-vêtements avec lui dans un lit, mais c'est parce qu'il a fait une vidéo à propos de mon OnlyFans. Donc si je devais être dans le thème en fait. Donc arrêtez de dire que je ken avec tout le monde parce que au jour d'aujourd'hui, personne m'a ken ici. Tu m'as ken? Non, allez ta gueule. Une meuf comme ça, elle a le droit à la liberté d'expression. Par contre, Chris Corleone, ils l'interdisent de partout. Carrément supprimer sa chaîne YouTube et ils ont supprimé des sons qu'il y avait sur Deezer. Pour ceux qui sont pas au courant, la chaîne de Chris Corleone, elle a été supprimée hier soir. Je sais pas encore si c'est lui qui l'a supprimée ou YouTube qui l'a supprimée, mais la chaîne, elle a complètement disparu. C'est pour ça que je vous dis en ce moment, c'est vraiment chaud pour Chris Corleone. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, l'équipe. Le son SO Congo partie 2 et Bâton Rouge de Chris Corleone qui ont été supprimés de Deezer. Cette info, elle est sortie justement aujourd'hui sur Twitter, puisqu'en gros, il y a Deezer qui était en top tweet sur Twitter. Par curiosité, j'ai été sur Deezer. On peut voir justement que le son Congo partie 2 et Bâton Rouge de Chris Corleone, ils ont bien été supprimés de Deezer. Pour l'instant, le projet de Chris Corleone, il se trouve encore sur Spotify. J'ai eu des bruits de porte comme quoi tous les projets justement qui sont présents sur les réseaux, etc., Spotify, Deezer et tous les trucs de streaming, devraient être supprimés d'ici lundi. Elle, par contre, à part Instagram, elle a encore tous ses réseaux. Il est incompréhensible, mais bon, c'est la France, c'est comme Polanski, il est accusé de viol et il a droit d'être au César. Polska, mais que fais-tu? Je suis aux toilettes. Bah, essuie-toi, hein. Ok. T'as du 7-7, qui aime le sexe. Pas là-bas. Machuna et Pompelo. Ah, mais que fais-tu? Je suis aux toilettes. Bogatu Pompelo. Alléluia. Alors, la décadence, l'équipe. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutien le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. D'hab, si t'as pas envie de mettre un nom commentaire, tu mets un 1, 2, un 3 et puis voilà. Mais dis-moi vraiment ce que t'en penses de la vidéo de Semsem et puis de Podka. Je m'en passe sur le coup, ça m'a grave choqué, j'étais obligé de vous tourner ma vidéo. Avec ces vidéos 10 heures, etc. Je te mens pas, je regarde pas 10 heures d'affilée, mais ça m'arrive de regarder ces vidéos. Même de passer en live pour justement lui passer un wesh, etc. Là, de voir ça, je te mens pas, ça m'a grave déçu de sa part. Dis-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, l'équipe. Ouais, juste avant de vous laisser, comme d'habitude,
il y a des dédicaces qui sont prévues. En O1, Antoine, Mouloud Mokhtari, Nan Sanchez, Fatih Hams, Anthony Alaise, Henen Sakura, Alex Clay, David Metey, Christophe Déré. Ah là là, je casse les couilles avec ça, mais vraiment merci à tous. Sinon, comme d'habitude, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Comme d'hab, à 1000 likes, je vous débloque la nouvelle vidéo. Comme d'habitude, l'équipe. Peace, les gangues. Alex te parle d'un du truc. On est 4 dans la cova et mon poteau faut changer de disque. Crapuleux comme végétal, je vais prendre ta vie, je vais te montrer les bératifs. On va enfumer toute ta ville. En général, je me fais petit, c'est pour enculer les tarifs. Vis gros, vite ta vie, un jour ou l'autre, elle va partir. Un petit coup de képri et là, je ressens que c'est parti. La mumu qui te colle dans tes coups, t'as plus que 1000. Elle fait la timide sur son bouche, je mets des gifs. Calibré dans la cova, je te meurs puis sois pas triste. On n'a pas les mêmes idées, pas les mêmes rivalités. Y'a pas de faux cul, y'a que des vrais. Ben moi, au moins, je t'as pas lassé. C'est mon talent que je vais viser, je sais que jamais je vais renoncer. C'est la merde, dis-toi, avec la richesse, on y croit. On avait rien dans le ventre, c'est ce qui fait notre histoire. Je prends ce que j'aperçois, dis-moi pourquoi tu persistes. Ils m'ont dit, tu vas percer, je m'arrête plus, je suis lancé. Je m'arrête plus, je suis lancé. Ils m'ont dit, tu vas percer. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Tu as arrêté de prendre l'idiot.